Creusée par une rivière souterraine sur 12 km, la grotte de Malaval est la plus longue cavité de Lozère. L'équipe va progresser durant plusieurs heures. Fais gaffe parce que ça glisse. Dans des conditions parfois difficiles, pour atteindre à 50 mètres sous terre, le premier joyau de la grotte. Une salle baptisée la salle des Blanches, car elle abrite des concrétions particulièrement étonnantes. C'est incroyable, hein? C'est vraiment des gouttelettes d'eau en fait qui sortent par ces fissures. Donc la goutte, elle s'évapore et elle se transforme en calcaire blanc, là, ce qu'on voit. Comme ce qu'on peut voir quand on laisse évaporer de l'eau un peu calcaire dans le verre et on voit des traces blanches autour du verre, ben c'est ça en fait, c'est du calcaire. Le calcaire qui est dissous dans l'eau, il se reforme en roche. Et petit à petit, comme ça, ça s'allonge. Et puis juste à côté, on voit des figures où du coup, c'est plus du tout vertical, c'est dans tous les sens. Il va pouvoir y avoir de la cristallisation dans n'importe quel sens et former ces excentriques, là, qu'on appelle aussi coralloïdes, qui ont une forme de corail. Hein. Et chacune de ces concrétions, si on la regarde dans le détail, elle a plusieurs vies, plusieurs histoires. D'abord, c'est une stalactite pleine, ensuite une stalactite creuse, ensuite il y a des fissures qui se forment et puis on va former la coralloïde. Ça raconte une histoire qui défie l'humain, quoi. C'est des milliers d'années, voire des millions d'années d'histoire. Oui, pour moi, c'est magique, extraordinaire. C'est un spectacle absolument éblouissant. Quand on voit des paysages comme ça, ça nous laisse rêveur. C'est l'un des plus beaux spectacles qu'on puisse imaginer. Surtout lorsqu'on le regarde dans le détail. C'est surtout dans le détail que c'est le plus beau. Il n'y a rien qui peut définir dans quel sens ça va. Ça monte, ça descend, ça se croise. C'est un mystère. Voilà, c'est un peu la magie qu'on va rencontrer sous terre. La grotte de Malaval était connue depuis des siècles. Pourtant, ses décors extraordinaires n'ont été découverts qu'en 1950.